Messieurs, dames, bonjour et bonne année. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une saga dont on attend encore une suite aujourd'hui, et qui aura plus ou moins contribué à la création d'Assassin's Creed. Donc, vu que je vais parler des scénarios, je ne vais pas parler des portages ni du remake. Si vous êtes prêts, alors c'est parti pour la saga des jeux Prince of Persia. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors que le sultan de Perse mène une guerre dans un pays étranger, son grand vizir Jafar orchestre un coup d'état. Son chemin vers le trône passe par la charmante fille du sultan. Jafar la kidnappe et menace de la tuer si elle refuse de l'épouser. Pendant ce temps, l'homme que la princesse aime est jeté dans le cachot. Il n'a qu'une heure pour s'échapper de sa prison, vaincre les gardes sur son chemin et arrêter Jafar avant que le terrible mariage n'ait lieu. Le protagoniste doit éviter les pièges mortels, résoudre quelques énigmes de saut et d'environnement, comme marcher sur des plaques de pression pour soulever la herse, et s'engager dans des combats à l'épée avec les gardes. Le personnage a un nombre infini de vies, mais doit recommencer au début d'un niveau chaque fois qu'il meurt, et doit terminer le jeu en une heure. Le héros commence avec 3 unités de santé, qui peuvent être reconstituées avec de petites potions de santé ou augmentées de manière permanente avec de grands pots. Après avoir vaincu le maléfique grand vizir Jafar, le brave prince n'a réclamé qu'une seule récompense, la main de la fille du sultan de Perse. Cependant, alors que le prince s'approchait du palais, son apparence s'est soudainement transformée en celle d'un mendiant. Quelqu'un qui ressemblait au prince a ordonné de le jeter dehors. Il s'avère que Jafar est vivant et de retour pour se venger. Banni du palais, le malheureux héros doit voyager vers des terres lointaines et trouver un moyen de vaincre son ennemi juré. Prince of Persia 2 est, comme son prédécesseur, un jeu de plateforme cinématographique. Une grande partie du gameplay rappelle le premier jeu, se concentrant sur des puzzles et des sauts précis. Le combat à l'épée est plus important et présente des situations où plusieurs ennemis attaquent le prince à la fois. Des renforts peuvent aussi arriver une fois que le prince a éliminé tous les ennemis visibles. Et, comme le jeu précédent, celui-ci doit être terminé dans un délai imparti. Le roi Shahraman et le prince de Perse assiègent le château du Maharaja pour piller les trésors cachés à l'intérieur. Afin d'impressionner son père, le prince se faufile à l'intérieur pour récupérer la dague magique du temps. Il apprend rapidement que ce poignard a la capacité de contrôler le temps. Cependant, le vizir du roi, qui était malveillant, a d'autres plans pour le poignard et trompe le prince pour qu'il déverrouille un mystérieux secret dans le palais du sultan, transformant le roi et bon nombre de ses sujets en morts-vivants des sables. Maintenant, le prince doit comprendre ce qui s'est passé et essayer de remettre les choses en place. Il devra s'allier à la jeune princesse Farah, fille du Maharaja d'Inde, réduite en esclavage par le roi de Perse Shahraman. Il devra alors utiliser ses capacités d'acrobatie hors du commun pour traverser le palais, affronter les gardes et éviter tous les pièges mortels. Mais surtout, il aura besoin de la dague magique du temps pour défaire ses ennemis tout à fait spéciaux. Sept ans après les événements du jeu précédent, le prince est pourchassé par un monstre connu sous le nom de Daaka. Il découvre que la prophétie raconte que quiconque manipule les sables du temps est destiné à mourir peu de temps après. Mais le prince a échappé à son sort et c'est la raison de la rage de Daaka. Maintenant, le prince doit se rendre sur la mystérieuse île du temps, où il espère trouver l'impératrice et, grâce à la manipulation du temps, l'empêcher d'une manière ou d'une autre de créer les sables en premier lieu. Seulement voilà, son équipage va se faire attaquer par des monstres de sable aux ordres de la guerrière Shadi. Le prince n'aura donc d'autre choix que de l'affronter et de compter sur l'aide de la belle Kelina pour le guider vers l'impératrice du temps. Mais il semblerait que celle-ci lui ait caché quelque chose de très important. «
Après de nombreuses aventures dangereuses, le prince rentre enfin chez lui à Babylone, amenant avec lui sa nouvelle épouse Kélina, l'impératrice du temps. Mais leurs espoirs d'un avenir paisible et heureux ensemble sont cependant anéantis lorsqu'ils arrivent en Perse pour trouver la terre ravagée par la guerre. Alors que leur bateau prend feu suite à une riposte des archers indiens, Kélina est rapidement capturée et assassinée par le vizir. Et sa mort libère les sables du temps, dont le vizir tire de nouveaux pouvoirs terrifiants. Une fois de plus, le prince doit se lever pour se battre, mais cette fois, il sera plus fort que jamais, grâce à son nouvel alter ego, le prince noir, né du contact du prince avec les sables. Alors qu'il se bat pour récupérer son royaume des mains d'un fou, il doit également se battre avec ses propres démons intérieurs, alors que le prince noir menace de le consumer entièrement. L'histoire du jeu se déroule un an après les Sables du Temps et 6 ans avant l'âme du guerrier. Les événements se passent en Perse et dans la fiction Arezzoura. Chacun de ces endroits envoie 3 généraux pour mener leur guerre. Le prince lui découvre qu'il est traqué par le Daaka, une incarnation du destin parce qu'il a interféré avec le temps et a trompé sa propre mort dans le processus. Le prince décide de chercher un moyen de se libérer de cette créature. Pour ce faire, il doit rechercher différents pays, ce qu'il ne peut accomplir qu'en les battant en guerre. Pendant toute la durée du jeu, le prince combat les Devas, une race mythique de démons contenue dans une boîte qu'il ouvre, ainsi que Kalim, le prince de l'Inde et frère de son amour perdu depuis longtemps, Farah. Bref, nous avons là un jeu de tactique au tour par tour avec quelques similitudes avec Advance Wars, notamment l'utilisation de l'écran supérieur pour montrer différents types d'unités en train de se battre. Dans ce Prince of Persia qui est un peu différent, un vagabond, qui n'a de prince que le surnom, trébuche dans une terre interdite, une ville mythique de toute beauté, dominée en son centre par un arbre de vie massif. L'ancien dieu maléfique des ténèbres, Ahriman, a été emprisonné dans l'arbre après une lutte cosmique avec son frère. Lorsque le prince arrive, le père d'Elika, le roi en deuil, libère Ahriman en échange de la réanimation d'Elika, et toute sa corruption est également déchaînée sur le monde autonome. Le prince prend les armes contre le mal pour tenter de se racheter et de reprendre ses actions en chassant la corruption. Le gameplay de Prince of Persia conserve une sensation similaire à la première trilogie, dans le sens où les éléments d'acrobatie, de résolution d'énigmes et de combat restent. Cependant, le jeu n'est pas très linéaire et par conséquent, les joueurs ont la possibilité d'explorer n'importe quelle partie du monde à tout moment. Le joueur combat les ennemis de différentes manières au fur et à mesure qu'il se rend d'un terrain fertile à un autre pour les soigner. The Fallen King se déroule après la version console de Prince of Persia du jeu précédent. Après que le prince soit séparé d'Elika, il part à la recherche du roi de la ville de la Nouvelle Aube. Là, il trouve une ville engloutie dans le même mal et découvre que le roi a été divisé par la corruption en 2 personnages. Le prince fait équipe avec le mage du roi, Zal, et ensemble, ils affrontent les forces corrompues tout en essayant de sauver le royaume. Après un certain temps, lorsque vous faites équipe avec Zal, vous pouvez contrôler les 2 personnages, mais pas de la manière habituelle en basculant entre eux. Au lieu de cela, Zal accompagnera le prince et pourra utiliser divers types de magies qui vous aideront à contourner les pièges ou à éliminer certains ennemis. Et nous terminerons avec les sabres oubliés. Alors que le prince voulait juste voir son frère aîné, le prince Malik, qui est l'actuel souverain du royaume, il découvre à son arrivée qu'il n'est pas le seul visiteur. Toute l'armée d'Osman est aux portes du château, et l'armée de Malik ne peut plus tenir le fort très longtemps. Le prince parvient à se frayer un chemin dans le château et à retrouver Malik, mais il est déjà trop tard. Les Osman ont pris le dessus et la fin semble proche. Dans son désespoir, Malik se tourne vers le portail scellé et libère une armée de légendes qu'on dit avoir appartenu au roi Salomon. Mais
Mais le portail a été scellé pour une bonne raison, gardant emprisonnée une force qui ne peut rivaliser avec aucune armée dans le monde. Celle-ci se retourne contre Malik, transformant le reste du peuple en statues et provoquant une tempête qui menace d'ensevelir le palais. Ils marchent à nouveau sur la terre, prennent d'assaut le château et attaquent amis et ennemis. Lors de son évasion, le prince erre dans le royaume de Razia, la reine des djinns. Elle se souvient de la création de l'armée et sait comment l'arrêter. Alors le prince n'aura d'autre choix que de s'associer à elle et essayer de trouver un moyen de vaincre l'armée et d'empêcher le royaume d'être englouti par le sable.